Il a une vision défaitiste, au fond il nie toute action, c'est inéluctable ce qui va arriver. J'ai beaucoup aimé le livre de Michel Onfray sur l'art d'être français. Il y a des pages remarquables sur le rôle notamment des grands écrivains, des grands philosophes comme Montaigne, Rabelais, Voltaire, Marivaux, Victor Hugo. Et au fond, il définit ce qu'est la France, c'est une idée. Et puis j'ai aussi évidemment des désaccords fondamentaux avec sa vision et du passé et du monde. Au fond, il est un philosophe de la décadence, il croit à la fin de notre civilisation, alors que moi je suis un humaniste et je pense que notre civilisation a un avenir. Il a une vision défaitiste, au fond il nie toute action, c'est inéluctable ce qui va arriver, l'invasion des musulmans ou la civilisation de la technique, de la science. Moi au contraire je crois dans le rôle de la politique, de l'action, à tous les niveaux, au niveau mondial, au niveau européen, au niveau de la France. Et lui ne croit plus en la France, lui qui l'aime, qui la décrit si bien dans les pages de son livre, nie au fond tout avenir à la France, alors que moi je crois que sa langue, sa culture, son économie, ses hommes, ses femmes, ses universités, ses centres de recherche, à condition que nous le soutenions, à condition que nous soyons forts sur les valeurs de la République et sur ce que nous croyons, je crois toujours dans ce rôle, lui, à l'évidence, y a renoncé avec superbe, mais il a renoncé à croire dans cet avenir.